L'exposition Picasso Mania s'applique à étudier la postérité de l'œuvre de Picasso. Alors c'est assez vaste puisque l'œuvre de Picasso c'est colossal, c'est 8000 tableaux, c'est une production qui dure sur plusieurs décennies, etc. Donc le principe a été d'identifier les moments et les œuvres de Picasso qui ont donné lieu à des réponses spécifiques dans l'art contemporain de 1960 à aujourd'hui. On ne pouvait pas remonter antérieurement aux années 60. Donc les moments qui ont été choisis, c'est évidemment le cubisme, le premier moment qui va donner naissance à ce qu'on appellera la peinture moderne. C'est Picasso qui en est l'inventeur avec ses Demoiselles d'Avignon en 1907. Et donc la première salle, Picasso, est consacrée au cubisme. Ensuite, évidemment, le cubisme, ça peut être deux dimensions à minima. D'abord, une forme de solution formelle qui va donner lieu à un développement qui est celui qu'on appellera la peinture moderne, qui va très vite s'orienter vers l'abstraction. Mais le cubisme, c'est aussi, et les demoiselles, c'est aussi un sujet. Donc, la salle qui va être consacrée aux demoiselles d'Avignon va déployer la signification des demoiselles pour la postérité de Picasso. La deuxième œuvre, qui est l'œuvre emblématique de la production de Picasso, qui donne lieu à des réponses quasi innombrables, c'est évidemment Guernica. Le tableau de 1937, qui est le cri d'indignation de Picasso face au bombardement des populations civiles du village de Guernica, va être interprété encore aujourd'hui. On a dans l'exposition une des postérités tout à fait surprenantes de cette image de Guernica, puisqu'on voit des manifestants jusqu'il y a encore quelques années qui se promenaient avec des détails de Guernica dans des manifestations, par exemple. Puisqu'avec Guernica, on est dans les années 30, la séquence suivante va être consacrée au portrait de Picasso de la fin des années 30. Et là, on a un ensemble d'œuvres de Picasso qui sont des portraits tantôt de Dora Maar, tantôt de sa compagne de l'époque, qui est Marie-Thérèse. Cette figure de Picasso telle qu'elle s'élabore dans sa peinture à la fin des années 30 va être évidemment celle qui va être à l'origine de ce qu'on va appeler un Picasso, c'est-à-dire un visage qui combine la vision de face et de profil, encore un héritage du cubisme. Et cet archétype ou cette signature iconographique de Picasso, c'est celle dont vont s'emparer les artistes pop. Ils sont à la recherche, c'est leur vocation, c'est la signification même du pop art, ils sont à la recherche des figures, des images qui font partie de l'inconscient collectif. Et parmi ces figures, évidemment, on trouve les portraits de Picasso. L'autre dernier moment qui va être étudié dans l'exposition, c'est évidemment la production tardive de Picasso, celle qui va être à l'origine même, peut-on dire, de cette exposition, c'est-à-dire de la redécouverte de Picasso au début des années 80. Il s'agit d'une œuvre que Picasso élabore, disons, de 1966 à ses derniers jours en 1973, et qui va être présentée de façon grandiose à deux reprises au Palais des Papes à Avignon en 1970 et 1973. Et cette peinture va faire l'objet d'une réception qui va être des plus fraîches. On va reprocher à Picasso d'être devenu sénile, de ne plus avoir la main sûre, d'être un vieillard libidineux. La plupart des sujets seront des sujets qui représenteront des étreintes ou des baisers. Et cette peinture qui va être assassinée littéralement en 1970 et 73 va être soudain redécouverte au début des années 80 grâce à une exposition que va organiser le Kunstmuseum de Bâle qui va être consacrée à la dernière période de Picasso. Et immédiatement, on va voir ces tableaux, les mêmes tableaux qui étaient vilipendés 10 ans plus tôt, être au cœur de l'exposition qui va, en 1981, célébrer une nouvelle tendance qui éclot dans l'art contemporain et qu'on va appeler le retour à la peinture, de façon générale. Cette exposition est organisée à Londres, elle s'intitule « A New Spirit in Painting », un nouvel esprit dans la peinture, et les commissaires de cette exposition rassemblent toutes les tendances de l'art contemporain qui témoignent de ce renouveau de la pratique picturale. Ça va des nouveaux fauves allemands, aux trans-avant-gardistes italiens, à la figuration libre française, à ce qu'on appelle la « bad painting » américaine. Et au centre exact de cette exposition, on va trouver les tableaux de Picasso, ceux qui étaient précisément dans l'exposition d'Avignon. Et c'est donc avec cet hommage à Picasso rendu par les artistes contemporains au début des années 80 que se conclut l'exposition. L'exposition est construite en un rythme qui fait alterner des salles consacrées à l'œuvre de Picasso lui-même, des salles qui sont consacrées
à la réception de certaines de ses œuvres. Et là, on a des salles qui présentent une dizaine d'artistes, par exemple, mais également des salles qui sont des salles monographiques. Et c'est dans ces salles monographiques, évidemment, que l'on rend compte d'un dialogue soutenu, long, développé dans le temps, entre certains artistes modernes et Picasso. Le premier d'entre eux, c'est David Hockney, qui bénéficie d'une forme de salle monographique, puisque c'est lui qui va proposer la réponse la plus novatrice et la plus fine au cubisme. Un peu plus tard, ça pourrait être Andy Warhol, qui va, à partir de 1985, consacrer toute une série d'œuvres d'après les tableaux de Picasso de 1960. Le troisième artiste qui bénéficie de ces monographies, c'est Jasper Johns, le grand peintre américain dont on présente ici les quatre saisons, c'est-à-dire, pour les critiques et les historiens américains, sans doute le point d'orgue de sa production picturale. Ensuite, on trouve un autre artiste, cette fois allemand, qui va être celui qui pourrait légitimement être présenté comme l'héritier le plus digne de l'œuvre de Picasso, à savoir Martin Kippenberger, qui à plusieurs reprises dans son œuvre consacre des cycles entiers qui sont des hommages explicites à Picasso. Une des difficultés de l'exposition, c'était évidemment de la rendre aussi intelligible et claire dans son énoncé possible. Et ça supposait de faire des choix assez drastiques, puisque dans un premier temps, lorsque nous avons rassemblé toute la production qui pouvait s'apparenter à un hommage ou à une interprétation de l'œuvre de Picasso, on s'est trouvé à la tête d'un corpus de plusieurs milliers d'œuvres. Donc il fallait réduire, et ça c'est assez douloureux, et on regrette de ne pas avoir trois fois les surfaces qui sont celles du Grand Palais. Mais c'est comme ça, et on arrive ici à une sélection qui présente 200 œuvres d'artistes après 1960, 75 artistes différents, et sur un compte global de 300 numéros, ce qui inclut évidemment la centaine d'œuvres de Picasso. Picasso, déjà, c'est une œuvre tellement gigantesque et monumentale qu'on trouvera toujours quelque chose qui va plaire à un enfant, hein, déjà. Il a ce côté parfois très coloré et puis il a ce côté qui fait réagir en fait, même un tout petit. En disant mais pourquoi ce portrait, pourquoi il y a un œil qui part, pourquoi le nez il n'est pas en face. Voilà, ça très vite ils sont capables de poser ces questions-là. Donc ça va permettre de faire réagir et puis il y a plein de choses chez Picasso qui sont extra à voir avec des enfants. Il y a ses sculptures. Donc ça c'est pareil, c'est un assembleur génial en fait, donc avec des choses de la vie quotidienne, les enfants vont voir qu'il a pu créer quelque chose de totalement différent, détourner les objets, ça ils sont tout à fait capables de le faire, ils le font très souvent eux-mêmes à la maternelle ou même sur leurs dessins. Hein. Voilà, et puis avec les plus grands ça va être très intéressant de comparer par exemple plusieurs portraits, de dire bah voilà c'est le même peintre ça, et en fait il y a des choses tellement différentes que l'enfant va pouvoir comprendre qu'il y a une vraie recherche chez Picasso, il y a une recherche continuelle, toujours à inventer plus, à chercher autre chose, à inventer des langages différents en fonction de ce qu'il a envie de montrer, en fonction de ce qu'il ressent. Voilà, donc ça c'est vraiment l'œuvre est tellement énorme qu'on trouvera toujours de matière à donner à l'enfant. Alors cette expo là en particulier, elle est vraiment bien pour la tranche d'âge 10-13 parce qu'on voit vraiment l'évolution de Picasso et puis surtout ce qu'il a donné, cette liberté de ton et cet humour, cette façon, cette liberté qui s'est donnée par rapport au code que d'autres artistes contemporains ont pu à chaque fois ils ont pu puiser dedans quoi. Dans le livre 25 chefs-d'œuvre de Picasso expliqués aux enfants, on est parti vraiment sur une trame classique, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris des œuvres emblématiques tout au long de sa vie, par ordre chronologique, ce qui permet vraiment de bien tracer l'œuvre de Picasso, hein, qui traverse le XXe siècle. Et donc on a commencé avec ses œuvres de jeunesse qui ne sont pas forcément beaucoup vues ni connues. Il y a un tableau qui montre ce qu'il a été capable de faire à 17 ans, ce qui est quand même incroyable. Et puis ensuite, on passe par la traditionnelle période bleue, période rose. On va ensuite expliquer ce qu'est le cubisme. Voilà. Finalement, ils sont complètement capables de le penser et de voir ce que ça donne. Et puis, un peu de surréalisme, d'expliquer pourquoi
Il a envie de représenter toutes les facettes d'une même chose en même temps, sur un même plan, en fait, hein, et de représenter plus que ce qu'on ne voit. Et puis, voilà, on va passer par toutes ces périodes et on jalonne avec un peu d'histoire de sa vie, notamment toutes ses relations avec ces femmes qui ont été ses muses, qui l'ont beaucoup inspirée. Et puis, on va aller vers Picasso qui s'installe définitivement sur la Côte d'Azur, qui découvre la céramique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas très bien chez Picasso, mais il s'est vraiment approprié cette technique et il a fait des choses extraordinaires. Et puis, voilà, on le suit jusqu'à la fin de sa vie, notamment avec ce grand dialogue qu'il a eu avec ses maîtres anciens, c'est-à-dire les Velázquez qu'il a reproduit plusieurs fois, à sa façon, bien entendu, hein, de la façon dont, en fait, il ingurgite et puis il transforme et puis il transmet à son tour.